Na loba kengo ba fingingawa. Les amis de Mouzou t'ont appelé, mais quelle insulte! Tu racontes des bobards, tu ne trouveras ça nulle part. Monsieur Mouzou, tu n'as jamais signé un décret comme ça. Ndeko, na lobby a signé. Yango, ne nous prenez pas pour des cons, s'il vous plaît. Faut pas nous prendre pour des cons. On est peut-être naïf, mais on n'est pas des cons. Yoka intitulé, dans le lobby. Décret numéro 11/03 du 21 janvier 2011. Yo basko titre place to pesa kanda makasi. Portant interdiction. Que Dieu vous pardonne, hein? Que Dieu vous pardonne vraiment. Et que les âmes de ceux qui ont perdu la vie dans Mbokao, Balimi Sabino, et je le dis profondément, Balimi Sabino Penza. Portant interdiction de contrôle, interdiction de contrôle. Voilà titre intitulé interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dues à l'État sans requête des régies financières. Où avez-vous vu une chose pareille dans le monde? Vous avez vu ça où dans le monde? C'est une honte d'appartenir dans un État avec des gens comme ça. C'est une honte. J'assume mes propos. C'est une honte. Moi, Christian Bossembe, ministre, premier ministre dans ce pays, je ne signe pas un décret pareil, je démissionne. Parce que ça, c'est la consécration de l'inanition. C'est ce qu'on appelle assurer l'impunité. C'est ce qu'on appelle la consécration de l'anarchie. Ça veut dire en clair quoi? Nathan Glabino, un article qui va vous énerver le plus. Article 2. Et le biboué. Boyoka français, nakanda. Tout officier de police judiciaire, à compétence générale ou restreinte, ou tout inspecteur de police judiciaire. Bon, vous avez la question de pourquoi la police judiciaire n'est pas yuma kangabango. Monsieur le président de la République, l'acte que vous avez pris, vous ne voyez pas la portée d'Angolelo. Mais les enfants de nos enfants parleront de vous juste pour l'acte que vous venez de prendre. Ça, je vous le dis main dans le cœur. Monsieur le Président, acto yozui, banana biso, banana bango, ba okanisa ka onango, ba ko beta lisolo na yo, pour na acte oyozui. Et je suis, nazomona comment ils ont mal. Deux semaines, vous allez, comment ça va se passer dans deux semaines. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous garde. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Un tournant décisif. Oh, bon, il y a Mickey. Les ministres de la justice sont bacaille. Mais c'est rien. Mes frères, ça, c'est rien. Ce qui va venir dans peu de temps, ça sera l'hécatombe. Je vous dis déjà, vous allez la somme. Les chiens sont libérés. Bakati, bon, ma chaîne. Mais c'est terrible, je vous dis. Je ne peux pas dire plus. Mais Nabi Sibinoka a déjà. Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte, ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité, tout agent public ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des droits, taxes et autres redevances dues à l'État à la seule condition requise par le procureur de la République du ressort saisi par l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur. Même le procureur général, vous l'obligez de ne pas agir avant la demande, avant la requête. Il y a une crise financière. En clair et mieux, le baboué. Procureur général, donc parquet. N'a inspecteur judiciaire. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle? Ça veut dire, la régie financière, nyonso. Car la douane était DGI, DGRAD, nyonso. Vous ne pouvez pas. Donc, à toi qui est baïbi mbongo kuna, yoko kendete. Il faut que la bango moko va komake, baïbi mbongo. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle? Ça veut dire, là où on a volé, bango ne faut pas le baké, baïbi mbongo boya. Donc, c'est-à-dire, ceux qui DG na bango, il faut attendre que les DG écrivent. Messieurs les parquets, messieurs les inspecteurs, vous pouvez venir enquêter, on dirait j'ai volé. Est-ce que beaucoup imaginent le modèle? Mais on a consacré ça dans un décret de loi.
Et ces hommes-là aujourd'hui parlent de l'état des droits. Mais toi, là, t'as la sonne.